Alors les amis, avant de commencer la vidéo, je vous invite à cliquer sur la petite cloche si vous êtes déjà abonné et de cocher la case qui vous propose de vous envoyer les notifications par rapport à cette chaîne. Du coup, comme ça, vous recevrez toutes les notifications de nouvelles vidéos qui sortiront sur ma chaîne YouTube. Encore merci à toutes les personnes qui le feront. C'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas moi ça va super les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une belle maison en survie dans Minecraft. Alors en espérant qu'elle vous plaira. Et maintenant sans beaucoup tarder on se retrouve tout de suite à la vidéo. Alors pour commencer les amis, dans un premier temps vous allez ouvrir votre inventaire et vous allez vous équiper de feuilles de chêne, des blocs d'herbe, des barrières en bois de chêne, des planches de chêne, des escaliers en bois de chêne, des vitres, des escaliers en bois de chêne noir, des dalles en bois de chêne noir et une porte. Voilà. Ensuite vous allez faire un carré de 15 par 15 les amis. Donc ça c'est la base de la maison. Voilà. Après que ceci est fait, vous allez placer 14 feuilles de chêne ici, l'une à côté de l'autre. Donc vous allez avancer d'un bloc. Vous allez placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 feuilles. Voilà. Vous allez en placer tout en arrière de la maison. Vous allez faire également la même chose de l'autre côté. Donc vous allez en placer 14 feuilles comme ça. Super. Là, juste à côté, cette feuille ici, vous allez placer 5 barrières. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Super. Vous allez rallonger tout ça comme ça sur le côté de la maison et en arrière aussi. Super. Là ici, vous allez rajouter 6 barrières. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez placer 9 barrières. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous allez rallonger ça comme ça. Super. Là, vous allez prendre des planches de chêne, les amis. Et vous allez tout simplement en placer par-dessus les barrières en bois de chêne. Donc voilà, vous allez faire ça pour tous les côtés de la maison. Voilà comme ça. Super, là ce que vous allez faire par la suite les amis, vous allez tout simplement placer des planches de chêne à l'intérieur pour faire le plancher de la maison. Donc vous allez voir les amis, le résultat est juste magnifique. Et elle est vraiment pas compliquée à faire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Donc voilà, on va faire ça vite fait ensemble comme ça. Super, et voilà. Là, ce que vous allez faire par la suite, nous allons faire l'entrée de la maison. Donc vous allez compter ici 1, 2, 3 blocs. Vous allez placer un escalier ici, un escalier juste là. Vous allez placer une planche par-dessous. Excellent. Là, vous allez enlever ces 3 blocs ici, ces 4 blocs juste là. Vous allez placer des escaliers à l'envers à la place. Vous allez faire la même chose ici. Voilà, super, ça rend très très beau. Là, ce que vous allez faire par la suite, nous allons passer au mur, les amis. Donc ici, vous allez placer 1, 2, 3 planches comme ça. Vous allez placer 4 planches juste ici. Là, ici, on va faire la porte comme ça. Voilà, super. Parfait. Là, ici, nous allons faire une fenêtre à 2 blocs. Ici également, donc on va faire ça comme ça, super. Vous allez rajouter 3 autres blocs comme ça, parfait. Là, ce que vous allez faire ici les amis, nous allons laisser ce bloc vide. Vous allez placer 3 autres blocs. Ensuite nous allons compter un casse d'espace et nous allons placer 6 planches comme ça, super. Parfait, on va laisser ça comme ça. Là ici les amis, vous allez rajouter 3 blocs comme ça. Vous allez relier ça ensemble. Vous allez placer 3 blocs par-dessus et un autre bloc juste comme ça. Super. Là, ce que nous allons faire par la suite, ici, vous allez faire exactement la même chose. Donc, vous allez laisser une case d'espace. Vous allez placer 3 autres blocs, une case d'espace et 6 planches comme ça. Voilà. Super. Là, ici, vous allez placer 1, 2, 3 blocs. Vous allez relier ça ensemble. Super. Vous allez placer une autre touche en arrière comme ça. Et là vous allez faire une fenêtre à 3 comme ça. Ici nous allons rajouter 1, 2, 3, 4, 5 planches comme ça, 3 planches par dessus et une planche juste comme ça. Voilà. Là
ici pour l'arrière de la maison, les amis. Vous allez rajouter 3 blocs comme ça. Vous allez relier ceci ensemble. Parfait. Vous allez rajouter une autre rangée par-dessous. Et vous allez faire une fenêtre à 3. Donc 1, 2, 3. Vous allez fermer ça comme ça. 1, 2, 3. Vous allez fermer ça comme ça. Et une fenêtre à 3 comme ça. Super. Là, ici, nous allons faire exactement la même chose, les amis, que l'autre côté. Donc, une fenêtre à 3 aussi. Vous allez faire le toit comme ça. Et voilà. Super. Très, très beau. Donc là, les murs sont faits, les amis. Vous allez prendre les vitres. Vous allez en placer comme ça. Super. Vous allez faire ça pour tous les côtés de la maison. Et voilà, parfait. Là, ce que nous allons faire par la suite, les amis, nous allons passer au toit. Et pour le toit, je pense que nous le savons tous. Donc, nous allons faire comme d'habitude, comme ça. Donc, on va prendre les escaliers en bois de chêne noir maintenant. Vous allez en placer, les amis, deux, l'une à côté de l'autre. Et vous allez monter ça au fur et à mesure. Ici, vous allez placer un escalier à l'envers. Ensuite, un escalier droit comme ça. Voilà. Ça donne très très beau. Là, ce que vous allez faire par la suite, nous allons faire ça, la même chose ici. Voilà, comme ça, un escalier à l'envers, un escalier droit. Donc voilà, le toit, c'est vraiment la partie la plus facile. Et voilà, je pense pas que vous devez avoir de la difficulté. Voilà, super. Et voilà, ça donne ça, les amis. Donc là, ce qu'il vous reste à faire vraiment, c'est relier les côtés ensemble. Donc là, ici, vous allez prendre des dalles. Vous allez faire ça comme ça. Super. Et là, maintenant, il vous reste vraiment à relier les parties ensemble. Donc, je vais faire ça, les amis, en accéléré pour que la vidéo ne soit pas très très longue. Et je vous montre ça à tout de suite. Donc voilà, les amis, le toit de la maison est terminé. Donc ça donne ça justement. Franchement, ça rend très très beau. Donc voilà, ça donne une image comme ça. Alors là, ce que vous allez faire par la suite, les amis, vous allez prendre des trappes en bois. Vous allez prendre également une marguerite et une tulipe blanche. Voilà, là, ce que vous allez faire ici, les amis, vous allez placer 3 blocs d'herbe comme ça. Ici, vous allez placer un bloc d'herbe comme ça au milieu de la fenêtre, de chaque fenêtre en fait, comme ça. Ici, vous allez en placer 3, super. Vous allez prendre les trappes en bois que vous allez placer tout autour des blocs, comme ça. Et vous allez également en placer en dessous, super. Et là, vous allez faire la même chose pour chaque bloc d'herbe. Donc, on va faire ça ensemble, comme ça. Super. Et après que ceci est terminé, les amis, quand vous avez bien deviné, vous allez placer les fleurs par-dessus, comme ça, pour la décoration extérieure. Je trouve que ça rend très très beau. Donc vous allez placer ça n'importe comment, les amis, faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'ai pris des marguerites et des tulipes blanches, mais bon, vous pouvez prendre ce que vous voulez. En tout cas, ça donne ça, les amis. Là, ce que vous allez faire ici pour le devant de la maison, ici, vous allez placer des blocs d'herbe comme ça. Super. Là, ici, vous allez prendre de la terre.
Vous allez prendre une houe. Juste ici. Voilà, vous allez prendre des graines de blé. Avec de la poudre. Voilà, super. Donc là, ici, vous allez avancer deux blocs, les amis. Vous allez enlever la roche. Et vous allez remplacer ceci par de la terre. Comme ça. Voilà, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Super. On va faire ça comme ça. Là, ici, vous allez enlever 4 blocs comme ça pour placer de l'eau. Nous allons faire la même chose ici, comme ça. Super, vous allez prendre un seau d'eau. Donc vous allez placer ça ici, super. On va placer également ici. Là, vous allez labourer la terre, les amis, pour pouvoir placer les graines de blé. Voilà, comme ça. On va placer les graines de blé. Et par la suite, les amis, nous allons prendre la poudre d'os pour que ça rend plus beau. D'ailleurs, avec mon pack de texture, ça rend juste superbe. Alors, si vous voulez mon pack de texture, il sera dans la description de cette vidéo. C'est le pack de texture de Defroy, le chantier naval. Donc voilà, je vais le mettre dans la description. N'hésitez pas à aller le télécharger, les amis. C'est juste super, je trouve. Donc voilà. Et voilà, les amis. C'est terminé comme ça. On va labourer ça ici aussi pour l'entrée. Et voilà. Comme ça. On va placer une graine ici que nous avons oubliée. Et voilà, les amis. Donc voilà, les amis. La maison est terminée. C'était tout pour l'extérieur. Alors, pour l'intérieur, vraiment, mettez ce que vous voulez. Tout ce que vous avez de besoin pour la survie. Donc, placez un lit. Un établi, un fourneau, vraiment tout ce que vous voulez. Il y a assez d'espace, c'est quand même assez gros. Ici, pour que l'intérieur soit plus beau, je vous invite à prendre des escaliers en bois de chêne noir avec des dalles en bois de chêne noir. Donc, on va placer ça comme ça. Super, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà, super, on va fermer ça comme ça. Voilà, j'ai un peu de difficulté. Voilà, ça rend comme ça. Ici, vous allez placer des dalles. Super. Je vous invite à placer notre touche aussi. Voilà, ça rend très très bon. Ici, vous allez tout simplement prendre des planches de chêne noir. Vous allez tout simplement placer ça ici pour rendre le toit tout droit. Sauf si vous voulez faire une maison à deux étages, ça, ça fonctionne aussi, les amis. Mais personnellement, je préfère fermer ça comme ça. Je trouve que ça rend plus beau. Et voilà, les amis, vous avez un toit très propre. Donc voilà, j'espère que la maison vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à mettre un gem, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, la dédicace, cette fois-ci, les amis, est dédiée à Kimboss. Donc, merci d'avoir activé la cloche, mon ami. Si vous voulez une dédicace, il suffit simplement de vous abonner à la chaîne, de mettre le pouce bleu des familles et d'activer la cloche pour recevoir mes notifications. C'est la partie la plus importante. Et après que ces trois étapes sont faites, dites-moi-le en commentaire pour une chance d'avoir une dédicace en pleine vidéo. Voilà. Et à ça, je vous laisse, les amis, et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Rémi Game.